Oh, Dorothée ! Dorothée ! Tu nous entends ? Alors, Dorothée ? Oh, Dorothée ! Jean-Luc Chrétien, m'entendez-vous ? Ah, on l'entend là, oui. On entend très mal. Je crois qu'il y a des petits problèmes de transmission. Bon, on va essayer de faire notre maximum pour parler tranquillement. Jean-Luc Chrétien, ici Dorothée, depuis le Zénith. Vous êtes en triplex avec le Club Dorothée. Monsieur Quillès est là également. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Il vous reste à peu près 2 minutes, je crois. Justement, alors, comment ça se passe pour vous là-haut ? Ben, ça se passe très très bien. Vous voyez peut-être sur votre écran la mise de l'équipage, la mise réjouie. Bonjour à tout le monde. Il y a ma droite qui est tout rose. Vous avez un robe là qui est presque tout rose, mais lui il est plutôt bronzé. Parce qu'il bronze tous les jours près de l'écran qui donne sur le soleil. Ah, vous bronzez là-haut ? Ah, on peut bronzer. Dites-moi, expliquez-moi, monsieur Chrétien, quand vous êtes sorti, quel effet ça vous a fait ? Vous êtes sorti dans l'espace. Pour nos amis téléspectateurs, nos jeunes amis. Oui, ici nos amis, nos jeunes téléspectateurs aimeraient savoir l'impression que vous avez eue en sortant dans l'espace. Ah, la sensation, la question que vous posez, c'est la sensation que j'ai eue en sortant. Oui. Ah, c'est absolument fantastique. J'étais à la fois émerveillé, excité. C'était un moment absolument inoubliable. Et qu'est-ce que vous voyez, vous, de là-haut ? Comment ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la Terre ? Eh bien, on est sorti, il faisait encore nuit, c'était de nuit orbitale. Donc, on avait encore quelques minutes de nuit, donc on est sorti au moment de la nuit noire. Et on voyait déjà l'horizon de la Terre, l'horizon tout rond de la Terre, qui est tout bleu, de l'aube qui s'approche de nous, au bout de quelques minutes. Et ce qui fait qu'on avait une portion de tour de Terre entre la zone de nuit et la zone de jour. On a vu l'aube pour la première fois en 4 ans à l'extérieur du véhicule. Est-ce que vous êtes heureux là-haut ? Ah, parfaitement heureux. Hein. Je vois simplement le compte à rebours qui commence et c'est un peu triste de voir que le vol se termine déjà. Déjà ? Et c'est pas trop difficile de vivre en apesanteur aussi longtemps ? Ah non, on s'est adapté assez vite. Et actuellement, justement, on est en régime de croisière et on vit ici comme si on vivait sur Terre. C'est cette nouvelle condition d'apesanteur, on y est totalement prêt et on vit très exactement comme si on était sur Terre. Vous pouvez nous montrer comment on est en apesanteur ? Ah, ben je peux vous montrer. Oh voilà. Ah, là, je vous vois mieux. Ah, mais ils vont arrêter. Là. C'est vrai ? Bon, ben, un grand merci. J'espère vous avoir en direct sur le plateau très bientôt. Un grand merci à tous vos amis. Au revoir. Est-ce que, monsieur le ministre, vous désirez poser une question à monsieur Chrétien ? Au revoir, à bientôt. Au revoir, monsieur le ministre va vous parler peut-être. Ah, oui, ça y est, je vous entends. Commandeur de la Légion d'honneur. Par le Conseil des ministres, et je voudrais vous féliciter très chaudement. Je vous remercie beaucoup, monsieur. À très bientôt, Jean-Louis, et puis bientôt. Bon courage pour la suite. D'accord ? À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. On garde les images au maximum. Ah, c'est gentil de bouger devant la caméra, c'est super. Merci beaucoup, Jean-Luc Chrétien, merci à votre équipe, à toute l'équipe. C'était en effet un triplex depuis l'espace, la planète Zénith et le Club Dorothée. J'espère très sérieusement qu'on aura en vrai M. Jean-Luc Chrétien. Il ne nous entend plus, là ? Non. Non. Ah, si, vous êtes encore là ? Ah, si, il nous entend encore. Est-ce que vous désirez parler à M. Quillès ? Pardon ? Est-ce que vous nous entendez, là, Jean-Luc Chrétien ? Oui, on a la chance. C'est pas ce qui passe, ça marche toujours. La station a dû s'arrêter dans l'espace. Je vous dis à très bientôt, parce que je viendrai à Moscou la semaine prochaine pour votre tour. Et on espère que vous serez en pleine forme. On en est sûr. Merci, à très bientôt. Et bon Noël. Il sera arrivé avant. Et bonne année. Ah, bah voilà. Ça y est, il est parti. C'est fini, il est parti. Voilà. Alors, vous m'excusez, moi, je vais bientôt monter sur scène. Bien sûr. Oui, vas-y. Ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous confie l'équipe. Oui, hein oui. Bon, ça se passera bien. On va le kidnapper. Va sur scène, Dorothée. Je les surveille. Dans quelques instants, les sablotins. Mais je crois que nous avons des rendez-vous sur le plateau. Oui, on a des rendez-vous. À tout à l'heure, excusez-moi. Ah oui, on a dans un premier temps, on a le mot mystérieux. Bien sûr. Et dans un deuxième temps, nous avons le Jacquisso. Il y aura notre grand jeu, tu chantes, tu gagnes. Ainsi que le top junior. Et aussi le maxi top Kyrie.
Ça va toujours, attention, monsieur le ministre. Attention, attention, ce n'est pas tout. Ah, ça va, ça oui, n'est oui, pas tout, Jackie, parce qu'on va voir un invité extraordinaire aujourd'hui. Encore un, on alors. On vous dit, eh ben, c'est Michel Drucker. Voilà. Et c'est peut-être pas tout. Peut-être pas. Oui, mais surfez.